Le poulet, tu te rappelles que tu as acheté, que tu as dépecé, coupé en morceaux, et dont on a mangé une partie, mais on n'a pas eu le temps de partager le reste. Eh ben, je vais le faire. D'abord, je vais le faire griller au four, comme ça, tout net. Je mets des haricots verts dans l'eau et je fais bouillir parce que ça aurait été mieux à la vapeur, mais j'ai pas de passoire, j'ai pas de couscoussier, j'ai rien du tout. On va faire avec les moyens du bord. Pendant que cuisent les haricots verts, je vais préparer une espèce de sauce, mixture, que j'enduirai sur mon poulet rôti, enfin grillé, encore une fois qu'il sera refroidi hein, quand même. De l'ail, hein, du sel, de l'huile d'olive, de cygle, mais c'est pas obligé, de la ciboulette, du thym, du poivre, noir ou blanc, peu importe, du gingembre, c'est pas écrit dessus, du paprika et du citron. Et surtout de la poudre, du fenouil en poudre, apporté directement par Natindia d'Italie. Les haricots sont cuits, je leur mets un peu de vinaigre pour garder leur vitalité afin qu'ils soient craquants comme dans les brasseries parisiennes. Je les ai pas trop cuits. J'enduis maintenant mon poulet rôti de ma mixture. Et j'allume le feu très fort pour incorporer mes haricots verts. Il y a du vinaigre aussi. Et dès que ça commence à chauffer, je mélange. Donc ça chauffe, je vais mélanger avec la mixture, les haricots verts, le poulet. Et je profite de cette éclaircie pour manger dehors, dehors avec mon petit bouquin à côté de Marie Scondé. Non mais, elle est géniale cet écrivain.